fait pas chaud, hein. Non, bah dites-nous, vous imaginez pas ça après Majorque, encore le mauvais temps ici, enfin, pas mauvais temps, mais le froid en tout cas. Non, mais là, je vais pas me plaindre, j'ai fait 4 courses sous la pluie et là aujourd'hui va pas pleuvoir, c'est déjà bien. Ouais, y a un peu de vent, mais ouais, c'est une très belle course avec un super parcours, donc on va essayer d'être offensif et d'avoir un peu plus la chance de notre côté qu'on n'a pas forcément eu sur les dernières courses. Vous l'avez faite l'année passée cette course, et vous avez eu un bon résultat, top 10 je crois. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez appris, qu'est-ce qui pourrait vous servir aujourd'hui? C'est différent cette année, c'est pas le même parcours, donc la course va pas se faire de la même façon, mais ouais, c'est une course où il faut rien lâcher jusqu'au bout parce qu'on finit complètement épuisé. Et dans le final, ouais, il peut y avoir des bonnes surprises dans les derniers kilomètres où il y en a qui coincent et que d'autres ça se passe bien, donc va falloir bien gérer sa course et son alimentation pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Et comment ça va physiquement? C'est que vous êtes tombé il y a 2 jours. Ouais, non, ça va physiquement, ouais, ça va. Je pensais que le virage ça passait à fond et malheureusement ça a freiné dans le virage, donc j'ai bloqué ma roue arrière et j'ai glissé. Et ouais, c'est de ma faute parce que je pensais que ça passait, donc voilà. Du coup, vous avez fait la paix avec Rosero à Kinrojas? Comment? Vous avez fait la paix avec Rosero à Kinrojas? Ah, il n'est pas venu me parler, mais moi je me suis excusé parce que je sais que j'avais fait une erreur. Et je pense que tout le monde peut en faire. Bah, surtout que là, c'était vraiment pas de chance parce que ma roue elle glisse. 15 fois je reprends le virage, 15 fois ma roue elle glisse pas. Donc c'est pas de chance aussi, quoi. Merci beaucoup, Arène. Bonne chance, bonne course.